Et bonjour et bienvenue pour l'épisode 4 d'Hogwarts Legacy. Alors, la dernière fois, on s'était laissé après avoir fait quelques cours de la défense contre les forces du mal, des sortilèges. On a appris le sortilège de Levioso, qui est quand même un basique. Et le sortilège d'Axio, qui est lui aussi un basique. Là, on va aller faire du duel et le duel. J'ai décidé qu'on allait faire en pyjama. Voilà. Parce que je suis d'humain et en pyjama. Bonjour Lucan. Je voulais te parler de joute magique. Ah, regardez qui voilà. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Oui. Fais-moi entrer sur le terrain. Et pas tant. Que le feu d'artifice commence. Il n'y a rien de plus humiliant que de se faire avoir par un élève en pyjama. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Ah ouais. Un sort de contrôle comme le sortilège de brouillage. C'est parti. Et un à terre. Ok, j'ai perdu mon pari. Action. C'est le moment, c'est les vieux se montrent. Ah ouais. Voilà, bien joué. T'as failli m'avoir. Peut-être qu'un jour, je tenterai ma chance. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. Bon. J'espère te revoir ici bientôt. Oui, oui. Oui, oui, j'en reviendrai. Je serai mettre une voûte. On va repasser sur Tony Tatin. Oui, je l'appelle comme ça à cause du pantalon, mais je trouve ça immonde. Est-ce qu'on peut se mettre... Non. Quoi, il ressemble les lunettes. C'est des lunettes de grand-mère. Attends, on est en 1890, donc forcément... Enfin, je sais pas quelle année, mais 1890 passé, hein. Qu'est-ce que c'est le défi? Ok. Oui. Pourquoi pas? Un gant légendaire à moi. Cape légendaire. Ok. Quel devoir. On va y voir. C'est parti. De métamorphose. Attends un peu que j'ai grandi. Rira bien qui rira le dernier. Oui, je vais surtout te... Hein? Je vais surtout te balancer de là-haut. Tu vas pas grandir davantage. Je plains ton prochain adversaire. Et moi je plains ceux qui doivent t'écouter, t'as vraiment une voix de sorcière. La 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 la... Réveillio. Coffre, mais on peut pas l'ouvrir. En fait, j'ai trouvé un truc. On va le chercher. Alors, ça m'a beaucoup fait rire, je sais pas pourquoi.
Merci de nous avoir laissé envoûter vos oreilles. Je t'ai rien laissé envoûter du tout. Voilà. On se fait rôter par un crapaud. Qu'est-ce que c'est ? Au pire, je peux pas piquer une baguette ici au lieu d'aller... Parce que bon, la baguette... Ah, du dégât de chute. En fait, on est juste de l'autre côté. Hein. Alors, bah, faut... Alors, je veux bien qu'on soit dans une école de sorciers, mais c'est quoi l'intérêt ? Parce que là... Voilà, hein. Il pourrait faire genre un escalier normal au lieu de se faire router par un crapaud. Bon, les FPS sont toujours pas terribles. Ça va. Il est en moyenne à un peu au-dessus de 50, je crois. Mais bon, vu à quel point le jeu est lourd, je suis bien content d'arriver à le faire tourner quand même. Et il vit en Angleterre, là. Un chant qui caresse le chat, toujours. Un beau chant, en plus. Hein. Miaulement, c'était une autre histoire, mais... Réveillio. J'ai jamais entendu un chat miauler comme ça, mais bon. Tiens, rien. Allez, hop. Et, voilà, et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Putain. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, un effet de maison écossais. Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés ? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Eckhart et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort ? C'est pas tes affaires. Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation ? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela ? Et Lumos ? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Ah, ouais. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créasors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Enfin. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt. Mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Ollivander est présent à Préolard ? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. Baguette de pain ? Non, je rigole. Je n'ai jamais entendu parler des créasseurs, professeur. Qu'est-ce que c'est ? Un créasor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions ? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Seul les voir ou en leur ref.
J'ai hâte d'aller après Olar. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite, pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Alors, Griffon d'or, non merci, on va prendre... J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palo est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood ? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier, son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux trois balais. Direct, faut y picoler. Hein. C'est fermé. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ou de l'argent. J'ai fouillé. Des nouveaux sortilèges. Ok, alors je serais bien content de faire un devoir pour une fois. Apparition. Bien d'autres quêtes suite. Alors déjà l'elf de maison écossais était imbloquable. Il était présent. Ah, vous voilà. Ok. S'amuse à faire voler des origamis, c'est mignon. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre ? Professeur ? En effet, et pas des moindres, le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également. Mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Ah oh ben on y va, c'est parti. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo ? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je vais commencer tout de suite, professeur. Ben, ce qu'il veut. C'est le bon endroit. Je me demande où se trouve la page volante. J'ai vu un truc se balader là. Action! Et voilà! C'est plus rapide. Alors, encore un autre bout là-bas. Il doit y avoir une page volante dans les parages. Par ici. Voilà. C'est facile, mais bon, j'imagine que ce sera plus dur après. J'imagine que ces premières tâches n'ont pas... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous... Votre baguette canalise votre magie. Un peu plus compliqué, lui. J'ai pas y arriver. Ok. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau.
Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux éconduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté. Antenne de la Wivre. Protégé par Sir Cadogan. On va essayer, hein. Réparo. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous ne pouvez pas? Ben, c'est bien pratique. Par contre, la statue... On passera sur... je sais pas, l'expression est pas rassurante. Ben... On va aller voir. On va continuer à faire les quêtes jusqu'à ce qu'on arrive à débloquer les... Que le truc, parce que bon, c'est pas que... C'est pas que j'ai envie d'une nouvelle baguette, mais voilà, quoi. Ancienne magie. Bon, ça, c'est la manière d'être une grosse quête principale, vu les récompenses. Ça bien quand on pourra faire du... Ici. Alors j'étais censé les obtenir mais je les ai pas donc. On verra bien. Pas drôle de les avoir, c'est ça? Non, je peux pas les équiper. Spécial. Attends, il y avait un truc qui était de moi, c'était quoi ça? Pour rien du tout. Pas pour l'instant, en tout cas. Bon, alors on va aller se balader. Statue, mais derrière une porte fermée. Elle est par là. Ah, j'ai trouvé un coffre là derrière, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il y a une quête secondaire là. Express. Aucun courrier. C'est pour le courrier, ok. Mais après, voilà. Mais après, voilà. Le professeur Ron. Il y a une quête secondaire là, je vais. Quête secondaire là, je vais aller chercher vite fait. Hein. Non, je vais avoir des ennuis, c'est sûr. Pourquoi ? Est-ce que tout va bien ? Oh, bonjour. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal aux bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac,
Ils se sont envolés dans la bibliothèque. C'est une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas le voir de cet œil. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même. Mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Ah oui. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Ouais. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi. Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scribe que ses livres t'appartenaient? Il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Oui, mais non, plus tard. M'intéresse pas. Je sais que la bibliothèque est juste là, mais non. J'ai envie d'aller voir dehors. Vous êtes toujours dans la violence, vous deux. Revelio. Hein, il y avait quelque chose. Peut-être. Ouais, peut-être si je pouvais imiter le feu, s'il copierait quelque chose. Les serpentards, presque toujours par la porte à droite du hall d'entrée. Ma sœur aînée est venue ici. Elle m'a dit qu'elle avait gravé ses initiales sur la cheminée. Droite du hall d'entrée. Droite du hall d'entrée. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a à droite du hall d'entrée? Ah mais non, mais je veux pas aller faire son bout à la con. Moi, je veux aller sortir. Je veux aller voir Préolard, moi. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de conneries, les gars. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là? Salut Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures, et je dois aller les chercher avec toi à Préolard. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Bah oui, on y va. Et un temps de chargement. Ah là là. Ouais, j'ai un petit peu de mal à tourner, mais ça a l'air d'aller bien quand même. Bon, les FPS sont pas au max, mais bon. Quand j'entends certains PC bien plus puissants que le mien qui n'arrivent pas à le faire tourner... Tout est une question de savoir le régler, en fait, c'est tout. C'est sûr que ça prend du temps, par contre. Mais j'en reviens pas de ces téléphones de maison écossais, là. Ça aurait quand même pu... Oh les gens, c'est bon, ça se passe bien, voilà. Je dirais l'effet de maison écossais par Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Et tais-toi, je parle. Merci d'ailleurs. Bien sûr, mais... tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. Je disais l'effet de maison écossais. En parlant de Weasley... Mais... On dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment ? J'affirme ton clapet. Ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue ? Voilà. Juste assez pour rester en forme. Voilà.
Je disais l'elfe de maison écossais, ils auraient dû en faire un espèce d'elfe de maison qui passe son temps à jurer, etc. Il avait la tête de l'emploi, je suis désolé. Hein, mais il était trop J'ai gentil. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Je t'ai rien demandé, hein. Ah, le stade de Quidditch, on n'aura pas accès. En parlant de retenue, cette virée à Préolard m'a peut-être permis d'en éviter une. Ah bon ? Content d'avoir pu te rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, et elle a réussi à convaincre la vieille Scribe que j'étais attendu quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos ? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, un instant. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysopes. De jolis insectes, mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Ah, il fait mijoter de l'insecte. Bon, bah on récupère, hein. Oh, il est de temps. Ah, mais c'est flair. Ah, magique. J'ai aucun regret. Revelio. Alors là, c'est flair. Moi, j'ai dit, j'en veux une. Hein, moi. Le truc fait trop rire. Ça, c'est beau, ça. Ça donne quelque chose. Pierre de vie. Récupère, hein. C'est de la ressource. Ah, c'est fou leur trompette, mon gars. On verra ça plus tard. Par la barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Vois par toi-même. C'est incroyable, non? On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Pas d'infos interdites? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Caracol. Ouh, j'aime pas cet endroit. J'aime pas. La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. Ah, d'où le nom. Exactement. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, ils devraient avoir confiance en nos techniques défensives. Ah, ouais. On peut voir Préolard un peu plus loin après ces ruines. La meilleure défense, c'est l'attaque. La forêt interdite, visiblement, vu qu'il y a un chemin, j'imagine. Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château ? Un peu. Il est vraiment énorme, je trouve. Tu l'as dit. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Ah oui ? Il y en a que tu conseillerais à la classe ? Revelio ! Je ne vais pas te révéler tous mes secrets. Non. Toi, tu ne peux pas expliquer comment tu avais fait. Action ! Réparo ! Non, rien du tout. C'est que ce boucan. Diligence avec des chevaux là. Au début, il y avait des chevaux invisibles, mon gars. Ah, c'est pas des chevaux, je sais pas ce que c'est. Une espèce de chevaux squelettiques avec des ailes. Un peu de modernisme. Où les champignons sautent. Venez là. C'est beau, hein, quand même. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Ah, les sombrales. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un chat. Tu caresseras plus tard, hein. Bien gentil, mais là, je peux... Qu'est-ce que c'est ? Là, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est ?
Trop mignon. Toi qui se met en boule. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, monsieur Palot. De faire demi-tour et... de courir. Tout va bien, monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon ? Une demi-guise. Immonde et poilue. Et terrifiante. Je serai au château. À l'abri. Bonne chance à vous deux. Parce que c'est une demi-guise. Une demi-guise ? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. En général. Monsieur Moon est un sacré personnage. Ouais. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Oh, ta sœur est aussi à Serpentard ? Oui. Enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment. Mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. On va marcher, on va se balader, on va marcher. Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille, je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. On s'y précipite tous comme des papillons vers la lumière. Ouais, que c'est beau. C'est simple. Alors, comment tu veux t'y prendre ? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir, comme une baguette par exemple. Oui, des graines de dictame, quelques créasors et des recettes de potions. Parfait, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte, tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser, nous sommes à Préolard. Village de Préolard, symbole de cochon. Grand boutique, autre point internet pour naviguer, acquérir des guides de sorcier. Ah oui. Sorcière coiffure. Bon, oui. Ce produit du moment. Ni ménagère, voir c'est quoi ça. Bâtiment abandonné. Douceur. C'est caramel. Oh, c'est bon, c'est caramel. En place de polar. Stipli fils. D. J'aime pas le D. Gué chiffon. Prête à sorcier. Encore plus excentrique. André à Paris. Oui. Sœur Bobalé. Ouh, j'ai envie d'aller voir. Je vais aller voir les balais. Rien à foutre de vos histoires. Si moi, aller voir les balais. Alors, je sens que je vais me perdre. Là. Revelio. Lumos. Tu es dans la forêt. C'est au moins on est sûr. Oui, un gros coffre là. Mais je peux pas rentrer. Non. Lumos. Non. Réparons. Action. Non, un pas droit.
En route pour de nouvelles aventures ? Non. Laisse-moi tranquille. Je peux même pas aller voir jeter un petit coup d'œil au balai ? Ah si, c'est là. Merci pour l'argent. Je débarque comme ça, je prends l'argent, y'en a foutre. Hein. Ah, les FPS qui drop. Et pourtant, le jeu tourne à moins que ce qu'il est capable de faire. C'est la fin de cette vidéo. Sur ce, moi je vais vous laisser. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Plus tard.